Bien, je viens de quitter le Trélias ainsi que le littoral. Comme tu as pu le voir, il y a un vent de folie. Donc c'est vraiment pas du tout agréable. Et quand je te dis que ça souffle vraiment sévère. Bon là c'est un peu mieux, tu vois, dans les terres. Je me dirige vers la Roquebrussane. Je vais faire une petite pause pour les services. Prendre le chemin de Signes pour voir les collègues au club de parapente. Bon, je pense que c'est très très mal engagé pour espérer voler, quoi. Donc je vais rester peut-être. Là, j'ai le téléphone qui glisse. Je vais peut-être rester un jour ou deux, je vais voir. De toute façon, là, j'ai regardé sur le site de Corsica Ferry, il y a toutes les traversées d'annulées à cause du vent. Donc bon, je ne suis pas pressé. Hein. Je pense que je prendrai un navire fin de semaine, je vais voir. Bon là écoute, le vent en tout cas ça permet d'avoir du beau temps, c'est déjà pas mal. Il ne fait pas froid, il fait 12 degrés là, donc c'est cool. Allez, je te reprends sur la route, à plus tard, ciao ciao. Je suis presque arrivé, là je traverse quelques vignobles de Flassan, Gonfaron, Besse-sur-Issole. Voilà des petits coins bien sympas, surtout l'été. Voilà, il y a pas mal de vignes dans ce coin. Donc là, je vais m'arrêter à faire les compléments d'eau. Et ensuite, direction Signes, c'est pas très loin. Là, tu vois, je suis dans le parc régional de la Sainte-Baume. En fait, je faisais du parapente derrière ces petites montagnes que tu vois à gauche là-bas. Voilà, je suis pratiquement à la Roquebrussane. Je vais en profiter pour faire une pause casse-croûte. Et puis ensuite, je file sur l'école de parapente de Signes. Voilà, peut-être qu'il y aura quelqu'un à l'école, même s'ils ne volent pas, ils ont toujours des bricoles à faire. J'y suis. Là, je fais le complément d'eau. Donc, tu vois, ça, c'est l'aire de la Roquebrussane, mise à disposition par la municipalité. Donc, stationnement pour les campings là, sur la longueur, tu vois, pour les camping-cars. Quelques tables, bon, c'est au bord de la nationale et à l'entrée de la ville. Tu vois. Juste en face la coopérative vinicole, donc c'est pas difficile à trouver. Jolie petite route pour rejoindre Signes, mais je te dis pas, les locaux roulent comme à des balles, donc t'as intérêt de vraiment serrer serrer. Mais c'est un coin très sympa. Ceux qui ne connaissent pas, c'est juste à côté le circuit du Castelet. Voilà, donc il y a pas mal de monde. Bon là on est en début de semaine, lundi ça va. Mais c'est une route très très fréquentée. Là, je suis en train de prendre une petite route pour un probable spot. Je suis tout en dessus d'Ollioules et j'ai la baie de Toulon en vue en dessous. Je vais essayer de te montrer ça. Regarde comme c'est joli. Ces couleurs. Là, je suis sur une route forestière qui est fermée à la circulation de 21h à 6h du matin. Regarde le beau coucher de soleil en même temps. Il y a une vue, c'est à couper le souffle. C'est un coin superbe. Bon, il vaut mieux pas trop croiser de véhicules. Hein. Tu vois, il y en a qui baladent à pied quand même le soir là-dessus. C'est vraiment très très joli. Merci mesdemoiselles. On a bien le port de Toulon d'ici. Sanary, Bandol, on voit toutes les villes là. Tu vois, il y a un panneau bien explicite. Il y a des barrières comme ça, mais en bas, il y a des grosses, grosses vraies barrières et apparemment, les gardes forestiers les ferment tous les soirs. Regarde où je me suis posé pour la nuit. Il y avait des endroits où on avait une plus belle vue en bas. Mais route étroite, tandis que là, je gêne personne vraiment. Demain, j'irai un peu balader là-bas en face.
Tu as vu la vue qu'il y a d'ici? Journée terminée. À présent, on va se préparer un bon petit repas et passer une bonne nuit. Allez, ciao, ciao, à demain. Hello, hello. Réveil en douceur dans ce joli petit coin. Écoute, ce matin, j'ai pris le temps. Il y a un vent de folie encore. Je vais me promener un petit peu plus loin. Là, je vais te montrer ça. Voilà, tu vois, je suis au bout de la piste. Et on va aller là-bas en face. Alors, par moments, ça se calme, mais il y a des rafales. Je te dis pas, ça envoie bien, bien, bien. Regarde sur la mer, tous les moutons qu'il y a. J'espère qu'ils ne vont pas annuler les traversées. Bon, j'ai 2 jours d'ici là. Allez, on y va. On va un peu découvrir le coin. Tu vois, de là, on voit bien la ville de Bandol. Après, d'en haut, j'ai le soleil en plein en face. Je ne sais pas ce que ça va donner. Là, juste en dessus, il y a un terrain. Ça appartient à l'armée, apparemment. Tu vois, il y a un panneau. Bâtiment tout désaffecté. C'est immense. C'est très joli. Hein. Il y a du vent, mais il ne fait pas froid. C'est agréable. C'est assez impressionnant, tous ces terrains là, tous ces bâtiments désaffectés. Je regarde ce que c'était avant. Avec ce passage, cette passerelle. Ah, ça souffle. Regarde cette belle vue. Tu vas voir où je suis garé. Tu vois, tout au bout là-bas, c'est Toulon. C'est vraiment un très joli coin. Puis là, je demandais au gars, il y a les pompiers là qui tournent, bien sûr. Là, ce fort, apparemment, ça date du temps de Napoléon. Bon, ça a été repris et tenu par les Allemands aussi en 40. Et depuis, ils s'en servent pour faire les formations des JSP. Ils viennent, ils font campement, prépa aux formations. L'enfer. Regarde la vue. L'autoroute en bas de Sceaux. Et tout là-bas au fond, on voit le rocher de la Ciotat. On est sur le gros cerveau. Voilà pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas. Ici, ça s'appelle comme ça. Et tu vois, il y a un chemin balisé malgré tout. C'est un GR. Des bons crapailleux à faire ici. Bon, j'espère que le son sera correct. Regarde comme c'est beau. Sacré but, hein. Là-bas au fond, t'as le circuit Paul Ricard. Encore une belle découverte. Oups. Tu vois, il y a plein de... Je sais pas ce que ça pouvait être, tous ces trucs. Des rectangles, là. Avec des murs, bon, qui se sont cassés la figure depuis, mais... Peut-être des habitations. Dommage qu'il y ait autant de vent. On va aller jusqu'à la borne en bas là. Et puis après on va rentrer par la piste DFCI. Ben, tu vois, il y a un petit peu des arbres là de partout. Ça casse un peu le vent, heureusement. Parce que sinon. Mais bon, ça souffle pas comme hier. Hein. Ça souffle quand même pas mal, mais pas comme hier. On voit bien, tu vois là-bas où ça brille, c'est Sanary. Là.
c'est très propre, il n'y a pas un papier, rien. Quelques traces de moto. Les mecs sont gonflés parce qu'ils se sont chopés là-dedans, je te dis pas. Là, tu vois la piste en bas dessous, on va descendre par le chemin et remonter la piste tranquille. On aura fait une bonne petite balade ce matin. Tu vois le camping-car là-haut? Ah ben c'est bien sympa, c'est d'un calme. Voilà, tu vois, je suis sur la piste forestière, on marche très facile. Voilà, tu vois, ils attaquent avec bon, le vent et tout, ils font des patrouilles sans arrêt. Là c'était les pompiers de la Seine, je savais pas qu'ils faisaient ce secteur aussi, parce que la Seine c'est juste avant Toulon en bas. Il y a quand même d'autres centres. Bon, la Seine, c'est le plus gros du coin. Après, il y a beaucoup de centres avec une majorité de volontaires. Tu vois, la piste, elle serpente, elle descend. Juste, tu la vois là? Ah, c'est sympa. Allez, je retourne au camping-car. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau. Petite balade bien sympa. Oh, oh. À l'intérieur, c'est quand même plus calme. Hein, on s'entend parler. Ouais, écoute, je vais rester la journée ici, même la soirée. Je pense que ce soir, je vais encore passer une nuit ici. Demain, c'est mercredi. Ouais, demain, c'est mercredi. J'ai le navire jeudi soir. Donc, j'ai encore deux journées. Bon, jeudi, je vais faire deux boutiques. J'ai des choses à prendre. Voilà, la journée passera vite. Donc demain, je sais pas, soit je bouge, soit je me fais une autre balade sur d'autres crêtes. Je vais voir, je vais un petit peu regarder s'il y a un petit coin sympa autorisé pour stationner. Bon, surtout avec ce vent et tout, ça piste les pompiers, les flics et tout. Donc le camping-car, il y a des endroits. Tu vois, là, je suis à côté de la citerne. Bon, je me suis bien mis à l'écart. À part la petite balade, ça serait la guigne qu'au même moment, il y a un problème. Mais bon, c'est pas très malin quoi. Voilà, après sur la piste un peu plus bas, il y a des emplacements, mais j'aurais été en plein vent, donc c'est trop difficile. Bon, écoute, je te dis à plus tard. Je sais pas ce que je vais faire, tu le verras en même temps que moi. Ciao, ciao. Il fait pas super chaud, il y a encore un petit peu de vent, donc écoute, j'espère vraiment, vraiment que ça va pas évoluer dans le mauvais sens. Qu'il n'y aura pas de retard avec le navire et que tout va bien se passer. Ouais, écoute, je te souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve à l'embarcadère. Ciao, ciao, à demain. Hello, hello. Et voilà, je suis descendu de la montagne. Et là, je prends la direction du port de Toulon dans les embouteillages. Bon, je suis large, j'ai une heure d'avance, donc il n'y a pas de souci. Allez, à tout à l'arrivée sur le port. Et voilà, on y est. Là, la virée touche vraiment à sa fin. Au rond-point, prendre quai Joseph Lafontan, puis prendre à gauche sur avenue de la République. Voilà, c'est juste en face. Contrôle effectué pour les bouteilles de gaz car il faut qu'elles soient fermées bien entendu. Et là je vais me mettre dans la file. Il y a là encore pour deux bonnes heures à attendre. On va rentrer poids lourd, camping-car par rapport aux étages. Et ensuite c'est les voitures, les motos. Enfin non, les motos rentrent avec nous mais là il n'y en a pas. Les motos se mettent sur le bord.
pas beaucoup de monde, il y a beaucoup de transporteurs par contre. Allez, on y va. C'est un peu long pour embarquer chaque fois parce qu'il y a des retardataires. Et si après, en fonction de la taille des véhicules, ils font rentrer parce qu'il y a plusieurs étages, les petits véhicules, après ils baissent les ponts pour faire rentrer les gros, et bien, ils ne peuvent plus les mettre. Donc il y a des horaires à respecter et ceux qui arrivent en retard, et bien, je ne sais pas franchement si peut leur arriver de ne pas monter. Bon là, je sais pas si c'est plein. Le mec me fait signe de passer ici. Il fait pas chaud, hein. Là, j'ai 6 petits degrés au compteur, ça bouchonne un peu. De voir les navires de l'armée en même temps juste à côté. Sacré bâtiment, hein. Je te dis pas ça grimpe. Et voilà, garé.
Et il me reste plus qu'à prendre les affaires. Je vais prendre le PC pour faire un petit peu de montage vidéo ce soir. Comme ça me fera passer le temps. Allez, à tout de suite. Tu vois, c'est serré hein. Ah, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous donne une idée de ce qui se passe à l'intérieur des navires. Tu vois, il faut rentrer les fourgons. Voilà, il y a plusieurs étages comme ça. Tu as des petits dessins avec des chiffres, tu vois, pour te rappeler où tu es, tu vois. La pieuvre, zone A, le pont 5. Il y a une personne très chère qui m'a dit n'oublie pas d'en parler. Il a raison. Parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent leur véhicule. Voilà, tu vois, là, il y a l'escalier. Pont 7. Ouais, ça c'est une des salles au resto. Ça ouvre un peu plus tard. Bon, là je vais me trouver un endroit où il y a une prise. S'il n'y en a pas de partout. Et après je te fais revisiter. Ou plutôt je te fais visiter maintenant, je vais m'asseoir un peu plus tard. Toi, il y a pas mal de choses dedans. Toi, là, il y a un restaurant un peu plus select, ça je te montre. Le coin salon, toi les gens sont déjà bien installés. C'est la réception pour les chambres, les cabines. Toi, il y a plusieurs descentes pour aller aux soutes. Avec un escalator. Tu vois, il y a les toilettes, bien sûr, au milieu. Bagagerie pour une salle. Là, c'est les boutiques. Bah, c'est pas donné dedans. Quand ça ouvre, après il y a plusieurs restaurants, restaurants, pizzeria, salle de jeu pour les enfants. Il fait bon là, tu vois. Tu as encore une autre salle. Avec animation, piano, on va monter sur les ponts. Et là, on va monter au pont 8. Et toi, ça, c'est les chambres. Tout ça, là. Là, de partout, de partout. Je t'amène dehors. Tiens, bateau de l'armée, navire de l'armée. Petit rafio de sauvetage. Quand tu traverses en bonne période, c'est agréable de rester dehors. Oui.
des coursives en bas dessous aussi. Tu vois. T'es là sur plusieurs étages. Là, c'est une terrasse plein air. Du fioul là, hein. Je te dis pas la pollution dans la ville de Toulon. Ça c'est bar et snack d'été surtout. Voilà, c'est fermé, ils servent qu'à l'intérieur. Et dehors, tiens, la grande terrasse, ça va la piscine, la putain, la sacaille. Tu vois, c'est grand, hein. Voilà, l'été était super bien, enfin l'été quand il fait bon. Tu passes la nuit dehors sans problème. Ouais, tu vois, c'est tout vitré. Et par là, tu redescends également. Tu vois, il y a un deuxième navire là-bas au fond. Un ascenseur également dedans. Ah, ils ont condamné la porte. Là en dessous, t'as une salle restaurant. Tu vois, on reprend des couloirs comme ça. Donc faut bien repérer quand même. C'est vite fait de tourner en rond là-dedans. Étage, couleur, les chiffres, les petits desserts des bestioles. Parce que sinon, t'as vite fait de perdre du temps dans les couloirs. Bon, de toute façon, on regarde sur tous les étages. Tu as des indications. Bon, à présent, un petit repas. Nostalgie de l'Espagne, et tu devines ce que j'ai pris. Une petite paella avec vin blanc de Toscane. Vin molle. Allez, bon appétit, à plus tard. Là, elle est très sympa, vraiment très bonne. Bon, écoute, là, je me trouve en plein milieu de la Méditerranée. Tu peux le voir, bon, c'est très droit. Donc, écoute, normalement, j'arrive à 7h demain matin sur Bastia. Voilà, ensuite, je prends la route pour Aler et à Seca. 1h15, 1h30, toutes les fonctions du monde que tu auras sur la route. Écoute, je te dis à demain matin et puis surtout passe une bonne soirée. Ciao, ciao, à demain. Hello, hello. Et voilà, arrivé sur Bastia. Je descends du ferry et je file sur Aleria. J'espère que tu as apprécié ce petit visuel sur la traversée. Là, tu vois, il y a pas mal d'agitation. Il est tout juste 6h30 du matin. Alors, on va faire attention sur les rampes.
petite marche. Ça y est. Il y en a qui attendent pour embarquer déjà. Allez, on va passer sur le bord, on va laisser passer 2-3 voitures. Pratiquement sorti du port. Écoute, je vais m'arrêter, me prendre un petit café sur la route, parce que j'en ai pour grosso modo 1h15, 1h30 à descendre. Pour descendre, voilà. Il fait encore nuit, mais il a l'air de faire. Bien beau, enfin le ciel a l'air bien dégagé. Je te montre quand même le navire. Tu vois, on sort de ce gros rafio. C'est là où il n'y a pas longtemps un mec à camping-car a oublié que ben, les hauteurs en Corse c'est les mêmes que sur le continent. Il a voulu passer à gauche. Donc tu imagines la gueule du camping-car. Voilà, je viens de prendre un petit café sur Moriani. Il me reste une demi-heure de route. Pour rejoindre Aleria. Voilà, écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo avec ce petit changement de cap, puisque là je vais être sur la Corse un petit moment, donc je vais en profiter pour te la faire découvrir. Écoute, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire, et puis n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao ciao.